Bonjour, c'est la suite de Prison Architect et j'ai un peu avancé en fait parce que ça fait 12 minutes que je joue et que j'ai oublié de filmer. Les cellules sont construites, il y en a 198. Là, nous avons notre poste électrique, nous avons une petite salle qui sera sûrement de garde ou un truc comme ça. La salle commune qui est quasiment prête. Nous avons attribué les salles de douche aux douches. Donc vous voyez, par exemple, non, là, ça marche pas. Mais voilà, ici c'est des douches, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les raccords en plomberie, les raccords en électricité sont faits. Il n'y a pas eu énormément de choses, mais je préfère vous prévenir de ce que vous n'avez pas vu. Bon. Le temps fois 4 s'il vous plaît, enfin multiplié. Il nous faut du parquet. Non, j'adore filmer pour que après réaliser que ah bah ça filmait pas. Ah c'est génial. Vous imaginez pas à quel point j'adore ça. Céramique s'il te plaît ici. Ah, il faut des portes. Je sais pas que je n'avais pas vu qu'il fallait, mais il me faut des portes de prison pour les douches. Du parquet s'il vous plaît en dessous des portes. Donc là on a dit que c'était une petite pièce pour garde. Donc c'est où? Petite salle de sécurité ici. Bureau, chaise et classeur. Pas de souci. Bureau, chaise et classeur. On va même leur mettre un petit canapé parce que franchement je suis quelqu'un de très sympa. Ah, un distributeur, ce serait pas mal. Un distributeur, je pense. Un petit distributeur de boissons, ça pourrait leur faire plaisir. Voilà, un petit distributeur de boissons, et on va y mettre 6 gardiens, techniquement. Donc, 1, 2, 3, 4. Non, 4 gardiens, c'est bien. Et on recrute 4 nouveaux gardiens. 1, 2, 3, 4. Alors, ils ont pas d'eau ici. On va s'en occuper. Donc, hop, de l'eau pour là, s'il vous plaît. Voilà. Et on va s'occuper de cloner. On a moins 12 millions en argent. On avance, hein. Le mec essaye d'avoir la plus grosse dot possible, vous savez. Non, en vrai, certes, on n'a pas de thunes. Il y a pas de lumière dans... Oh, j'ai fait une connerie. Il y a pas de lumière dans la douche, là. Attendez, hop, hop, pièce, hop, on enlève ça. Vite, on rectifie notre connerie. Tuyau, il nous en fallait un, je crois, non? Ah putain, ça a enlevé tout le tuyau, en fait. Il y a pas de lumière dans la douche? Ah putain, mais dans toutes les douches, il y a pas de lumière, en fait. Dans toutes les douches du bas, il y a pas de lumière. Bon, c'est pas grave, on va les mettre nous-mêmes. Objet, ça me paraît pas trop mal. J'ai mis ça un peu à l'arrache, mais ça me paraît bien. Construction, allez, on clone plus vite. C'est bien parce que, bon, en fait, non, j'allais dire, c'est bien parce qu'on voit que notre prison avance et que c'est bientôt la fin. Mais en fait, non, on n'est pas du tout à la fin. Mais en tout cas, c'est bien, on la voit avancer. Voilà, petite salle de sécurité fait plaisir. Et si on ferme tout? Ah, c'est tellement cool. Faut pas que j'oublie les pommeaux de les gicleurs. Les gicleurs, faut pas que je les oublie. On dirait que je parle d'une communauté bizarre. Je suis membre des gicleurs. Hop, gicleurs. Devant les portes, comme ça vous me foutez pas le feu. On est déjà à 213 cellules. On va déjà, une fois ça terminé, avoir approximativement combien de cellules les blocs, sans compter les blocs bis, auront. Parce que oui, il y a les blocs et les blocs bis. Parce que là, on sait, on est déjà à 213, donc on peut déjà savoir qu'il y a au moins 800 prisonniers. Sachant que là, il y aura très probablement aussi des prisonniers. Graphique, la valeur de la prison. Ah, la valeur de la prison est un peu partie. La valeur de la prison, au bout du 20e jour, elle fait... D'accord, c'est bon à savoir. La taille de la prison n'augmente plus. Faut dire que, en fait, à partir du 20e jour, on a tout acheté, j'ai l'impression. Les fonds, à partir du 20e jour, pff, ça a explosé aussi. Hein. Le bloc A est quasiment terminé. La salle commune, je suis un peu paumé, je sais pas trop quoi y mettre dedans. S'il vous plaît, vous pouvez me remettre du parquet ici et ici. Merci. Je sais pas, on va regarder un petit peu. On peut mettre des bandes muscu, par exemple, on va en mettre un petit peu. On peut mettre quelques petites cabines téléphoniques. Donc la cabine téléphonique, je sais ce que ça va faire, vous allez voir, c'est très important. On peut mettre une grande télévision. C'est une grosse plutôt qu'une grande, mais d'accord. Des billards, c'est une bonne idée, aussi les billards. On va remettre quelques cabines téléphoniques. Ce qui est important, c'est ceci. Vous voyez là, ça. En fait, ceci va servir à simplement écouter les cabines téléphoniques. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Canapé, ouais, effectivement, on peut mettre des canapés s'ils veulent discuter un peu entre eux. Un distributeur, pourquoi pas? Allez, je suis gentil. Normalement, ils ont pas d'argent, mais c'est une prison, je sais qu'ils arriveront à trouver. Un lave-linge, non. Pupitre, hôtel, radio. Ouais, pourquoi pas une radio, tenez, allez, une radio, c'est cool les radios. Borne d'arcade. Oh bah alors là. Alors là, si ça c'est pas la meilleure prison du monde. Alors, étagère de bibliothèque. Là, on passe à leur culture générale. Donc autrement dit, à pas grand chose. Hein. On n'a pas des plantes intérieures. On peut mettre un arbre, mais intérieur c'est peut-être un peu compliqué. On n'a pas de plantes intérieures. C'est quelque chose que j'ai remarqué et que je trouve un peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Fenêtre. Ouais, faut écouter, pourquoi pas une petite fenêtre. Non, pas de fenêtre. Vous êtes en prison, il n'y a pas de fenêtre. Étagère à livres. Ouais, allez, pourquoi pas. Ça fait du bruit. Ça restera peut-être pas longtemps. On va remettre d'autres cabines téléphoniques. Hein. On va leur remettre encore quelques petits billards. Et au centre du centre, qu'est-ce qu'on met? Bon, on va leur remettre une bibliothèque au pire. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ah, ils ont pas de télé au fait. Hein. J'ai oublié de mettre une télé. Ouais, on va peut-être leur mettre une télé quelque part, mais après, où ça, je ne sais pas. Ouais, là, je pense que c'est pas mal. Objet. On va leur mettre une grande télévision parce que je suis quelqu'un de très gentil. Ceux qui ont vu le let's play, le premier let's play, ils le savent. Hein. Je suis gentil au début.
au début, je les chouchoute, je suis très gentil. Mais après, je leur mets les toilettes, je leur mets les douches, je fais démerdez-vous, mourrez. Enfin bref, voilà quoi. S'il vous plaît, je cherche la télévision. La grande télévision en plus. Grande télévision. Hop, je vais mettre où? Je vais mettre. Ouais, là, ça me paraît bien. Et devant cette grande télévision, on va y mettre des chaises. Ouais, chaises, c'est une bonne idée. Putain, mais regardez, c'est digne d'une. Oh là là, mais c'est tellement bien. Cette salle commune, elle est tellement cool. Osez me dire après que je suis méchant, quoi. N'importe quoi. Bon, alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai été très fourbe avec les trucs téléphoniques. On va prendre ça. Alors, connecter. Et tous les trucs de téléphone que vous avez vus sont tous reliés à ceci. Et en fait, ça veut dire que si le moindre coup de fil est passé, il sera sous écoute. Et oui, je suis gentil, mais faut peut-être pas abuser. Attendez, ne me prenez pas pour des cons. Par contre, oui, ça a besoin d'électricité pour fonctionner. C'est en train d'être fait, d'accord. J'avais vu quelque chose tout à l'heure. C'était un bureau, je crois que j'avais vu, non? Un petit bureau, ouais. J'avais vu un petit bureau. On va y mettre du personnel. Un déploiement de personnel. Il sera ici, ici, ici. Donc il me faut 3 nouveaux gardiens. Voilà. Les 3 nouveaux gardiens qui sont prêts. Voilà. Donc ça, c'est sous écoute maintenant. Non mais attendez, regardez. Il y a plein de bancs de musculation. Il y a 6 billards. Il y a une grande télé avec plein de chaises. Il y a 2 radios. Il y a plein de canapés. Osez me dire que la salle commune, elle est pas bien. Et au cas où, on revérifie toujours. Mais c'est toujours très intéressant de vérifier. Bon, la salle commune est assez facilement accessible. Faut le savoir ça. Déploiement. Hop. Personnel seulement. Personnel seulement. Personnel seulement. Voilà. Voilà. Alors, il y a un problème d'eau ici, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, je suis con. C'est bon pour l'eau, enfin ça sera bon en tout cas. Donc, voici le bloc A. Nous avons 229 cellules. Beaucoup de, que des cellules individuelles. Il y a beaucoup de douches aussi. Vous avez des douches là et derrière. Est-ce qu'elles ont été marquées en tête? Ouais, c'est des douches, c'est bien écrit. Vous avez une salle d'eau et 2 salles de générateur qui sont bien entendu réservées au staff. Et vous savez ce qu'on va faire? On va même faire un truc, on va même faire une petite patrouille de gardiens qui fera hop et hop. Au cas où quelqu'un n'est pas là où il faut. Voilà. Vous savez quoi, on va même faire un truc, on va protéger le générateur, on va faire ça. Porte de personnel, s'il vous plaît. Ah, elles sont là. Une ici, une là. Comme ça, on est sûr au moins que personne ne pourra accéder à ces pièces-là. Ah non, moi, je suis content de ma prison. Là, le bloc A, il est nickel. Ça donne presque envie d'aller en prison juste... Bon, ok, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Pourquoi nous n'avons pas d'électricité ici? Parce que le générateur ne va pas assez loin. L'électricité de là, ça va? Ouais, l'électricité, ça va largement. Donc, hop, tu montes et tu vas là. Et après, bah, je crois qu'on peut le dire, le bloc A est terminé. On va juste faire les déploiements de patrouille, donc... Je vous le rappelle, une patrouille, il fait comme ça. Donc il nous faut 1, 2, 3, 4 nouveaux flics. Allez, chacun dans son... Ah non, il nous en faut un cinquième, je crois. Il nous faut un cinquième ici. Voilà. Je crois que dans les douches, il n'y a pas un déploiement dans les douches. Non, il n'y a pas de déploiement dans les douches. Chose qu'on va remédier. Donc il nous faut un gardien et 2 nouveaux gardiens. Est-ce que je mets du personnel dans la salle commune? Je pense qu'on pourrait. Ouais, allez, je pense qu'on peut mettre 2 personnes. On peut mettre 2 gardiens ici. On recrute donc 2 nouveaux gardiens. On est déjà à 44 gardiens. 44 gardiens alors qu'on n'a qu'une seule aile de fait. Mais voilà, c'est stylé. C'est stylé, c'est droit, c'est carré, ça me plaît, il y a plein de cellules et tout. Ça me plaît comme on s'est fait, avec un total de 229 cellules. Ici, nous n'avons pas d'électricité, pourquoi? Bon, je pense qu'on peut le dire, le bloc A a l'air d'être terminé à 100%. Et ben, je suis pas mécontent, franchement. On peut mettre un petit déploiement qui fasse ici, voilà. On recrute donc un nouveau gardien. Pareil, déploiement de patrouilles qui ne bougent pas, donc des patrouilles fixes qui seront ici. Ici, hop, 2 nouveaux gardiens, voilà. Ils vont simplement garder cet endroit-là. Là, il nous faut 10 gardiens supplémentaires. Hop, qui vont tous prendre position. Ok, c'est nickel. Ah, c'est carré, j'aime ça. Ah non, attendez, il me manque. Hop, 2 autres gardiens. Regardez comment c'est carré, quoi. J'aime beaucoup quand toute chose est à sa place. Alors, objet, il me faut des grandes... Voilà, grandes portes de prison. Hop, hop, non, hop. En fait, eux, là, que j'ai mis, vont servir déjà à contrôler les gens qui passent, mais aussi à si une porte est fermée et qu'ils veulent passer, bah hop, ils pourront ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il fait, lui? What the fuck? Il se tape une barre. Il est fou. D'accord. Est-ce qu'on a un gardien qui patrouille en bas? J'ai pas l'impression. Non, on n'a pas de gardien qui patrouille là, et pourtant, il en faut un. Hop, on reprend un gardien en plus. On est à 62 gardiens. C'est pas mal. Hop, déploiement des patrouilles. Ah, je viens de voir qu'il manquait quelque chose. Effectivement, il manque une porte. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 8 gardiens supplémentaires. On passe à 70 gardiens. Putain, regardez comment... Ah, c'est tellement droit, j'adore. Hop, dans objet, on prend des grandes portes de cellules. Ouais, 229 prisonniers pour 74 gardiens déjà. On sent déjà que ça va être compliqué, quoi. Ah non, mais je suis tellement content. Dans mes rêves, j'imaginais quelque chose de droit, de carré, et ça l'est, quand même. Je suis content. Franchement, je suis fier de moi, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Est-ce qu'on attaque un autre bloc, ou est-ce qu'on fait une courte vidéo? Je pense qu'on va faire une courte vidéo. Aujourd'hui, ouais, ça pallira la vidéo précédente qui a fait 55 minutes. Alors, je sais pas du tout, je l'ai pas encore monté donc j'ai aucune idée de combien de temps il dure, mais ça pallira. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je suis tellement content. Ça avance bien, je suis tellement content. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous!